tante Anita a toujours été comme ça. Oui, ça peut surprendre les soirs, mais ma tante est une tata. Elle a la douceur de l'agneau et la voix de Marlon Brando. Elle m'a toujours pris sous son aile, enfin plutôt sous son aisselle. Toujours apprêtée, impeccable, elle prend soin d'être ses remarquables. C'est une silhouette intéressante, disons qu'elle en a dans le ventre. Un peu comme si Romy Schneider avec Gobé Schwarzenegger. Elle a la grâce de Lise Taylor et la stature de Dark Vador. Est un peu comme un ange gardien, en plus baraque les ailes en moins, qui fume des gauloises le matin. Ce qu'elle adore, c'est l'opéra et les costumes un peu étroits. Elle va souvent au cabaret, on dit même qu'elle y danserait. Elle aime aussi les gros caïds, les mecs les vrais, les gars virils, ont des abdos, des pecs partout. Ceux qui sauvent le monde, qui s'étouffent et qui en ont entre les cuisses, qui ont de l'esprit comme Chuck Norris ou comme Bruce Lee ou MacGyver ou encore Luke Skywalker. Et sa façon de coiffer sa frange, puis elle a comme une pomme d'Adam. Puis elle chose du 49, elle a pas de sein, se brosse pas les dents. Ah, c'est quand même une drôle de meuf. Là j'ai pris mon courage d'une main, de l'autre je lui servis un shot au 23ème Blue Lagoon. Et oui, c'est son péché mignonne. Je lui lançais, dit tata, dis-moi à quoi ressemblait papa. D'un air ému plein de mystère, elle répliqua: je suis ton père.